Fait que il est passé 8 heures, ça fait que normalement la réunion, ça se peut commencer. Si vous voulez le répéter, s'il vous plaît. Non, vous l'avez très bien compris. Est-ce qu'on peut poser des questions? Non, la séance est même pas ouverte aussi. Ben, la séance, il est passé 8 heures. Fait que sur le document que j'ai, là, la séance est supposée de commencer à 20 heures. Et vous savez ce que je vous ai dit antérieurement. Fait que je maintiens ma position. Fait que partir de là, moi, je voudrais savoir en quelle heure que Saint-François-Xavier de Vigée tient une réunion en pleine tempête lorsque d'autres municipalités à côté de nous autres n'en tiennent pas. Parce que c'est trop dangereux, puis que la population ne peut pas se déplacer comme ils veulent. Si j'ai bien compris, vous m'avez dit tantôt que vous ne vouliez pas que j'enregistre. Je vous ai demandé que ce soit en nom, parce qu'on voulait avoir une position qu'on n'avait pas été avisé d'avance. C'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai demandé de retirer et que demain, nous allons donner la position officielle. Nous allons valider auprès de notre firme de consultants pour valider. Et je vous répète, si vous aviez une carte de presse, oui, monsieur. Ça doit devenir et de faire ça. En tout cas, moi personnellement, je trouve ça déplorable, OK, que vous ne soyez pas plus ouvert d'esprit, OK, à mettre. Vous savez que c'est une question de temps avant que la MRC le fasse. Exactement. Et je pense que ça devrait être de même dans toutes les municipalités. Fait que je trouve ça. Et je l'espère également. Je ouais. le souhaite. En tout cas, c'est pas qu'est-ce que vous démontrez ici ce soir, M. le maire. Non, mais on a quand même des réserves. Parce qu'on est en face de la même personne qui a dit que ici, venez pas ici, c'est un village western, OK, à radio. C'est quand même la personne qui a crié haut et fort que les puits étaient tout pollués. Alors, on a une panoplie de ça. Et c'est simplement juste pour ça. En tout cas, je vais atterrir à votre demande, mais je ne trouve pas ça démocratique et je trouve ça déplorable de votre part. Fait que, suite à vos actions posées dans la municipalité, je pense bien qu'il y a des gens qui ont plus leur place au sein du conseil. Suite à tout ce qui s'est fait, je vous remercie.